sí, Rodo. Hace unas semanas nosotros les habíamos hablado del Nuevísimo Testamento, de que iba esta película, una comedia luminosa. ¿Recuerdan que lo habíamos comentado? Es el director belga, Jaco Van Dormael, el director, acá Malena, nuestra camarógrafo, va a ir a ver la película. Se estrenó la semana pasada, sigue en cartelera. Era la historia de que Dios existe, que atiende en Bruselas, que lejos de ser una persona buena, generosa, era muy complicado, malo, malísimo, y controla todo lo que sucede en el mundo. Y tiene una hija, que de mucho no se habla, que decide vengarse del padre. ¿Y qué hace? Entra al recinto, que lo tiene muy oculto, y decide enviar todas las fechas de nacimiento de toda la humanidad. ¿Qué es lo que puede pasar? Miren, si uno sabe la fecha en que va a dejar de existir, usted preocuparía menos por determinadas cosas, todo cambiaría, se complica bastante ahí la situación. Bueno, hablamos con el director, nos cuenta detalles de esta película, una comedia que es muy luminosa realmente y que tienen que verla porque está en cartelera. Vamos a ver lo que dice el director. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Et t'es le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le bureau. La deuxième idée, c'était, on vous l'a jamais dit, mais il a une femme et une fille. Et on a beaucoup plus parlé de son fils que de sa fille. Et sa fille a 10 ans et c'est une rebelle. Et la troisième idée, qui est probablement la plus importante, c'est sa fille rebelle envoie par SMS la date de décès à tous les humains. Et chacun sait quel jour il va mourir. Et évidemment, ça change la face du monde. Ben, les six apôtres, c'est six grands brûlés de la vie, ces six perdants magnifiques. Ces six personnes qui pensent que l'amour, c'est plus pour eux, qui sont passés à côté de leur vie. Et par des tout petits miracles, la fille de Dieu leur dit vous pouvez réinventer une vie qui n'est pas dans le catalogue Ikea des vies. Et avoir une vie comme celle que vous avez, une vie qui n'est pas ordinaire. Exactement à ce moment-là, je me suis décidée à faire quelque chose. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois, elle va dire oui. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. La plupart des religions sont des histoires d'hommes écrites pour les hommes, par les hommes. Et qu'on s'est dit, tiens, rien qu'en mettant autant de femmes que d'hommes parmi les apôtres et en mettant une fille et un fils, l'histoire devient complètement différente et je crois plus proche de la vie qu'on vit. Ben, je crois que ce n'est pas un film sur la religion, c'est un film sur la domination. Un film sur la domination qui existe parfois dans les religions, qui existe en politique, qui existe dans les familles, qui existe entre les hommes et les femmes. Et à un moment donné, je crois que c'est un film féministe fait par un homme. Oui. Je m'excuse. Pardon ? J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Il a des pouvoirs, ton père, comme un super-héros. Hé là ! Ne m'oblige pas à venir te rejoindre ! Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose ? Je sais pas qui je suis ! Je sais pas qui je suis ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?